bien salut les amis, c'est Carmano et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Yoka Watch 4. J'espère que vous êtes tous très bien. Et attendez, je regarde sur ma liste, on est à l'épisode numéro 12 normalement. Ah, on avance, pas si vite que ça, on est quand même qu'au chapitre 4 je crois. Enfin quoi que, chapitre 4, je crois que dans le jeu il y en a 11 ou 12 des chapitres, donc on s'approche quand même de la fin, même si bon, il y aura les mises à jour et tout. Je voulais quand même regarder un truc, qu'est-ce que je voulais? Oui, c'était la liste des yokai, genre du médalium, c'était ça? Enfin, médalium entre guillemets, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les autres trucs? Ah, ça, ce sont toutes les yokai watch? Ah non! C'est toutes les invocations qu'il y a sur les yokai watch. D'accord. Stylé, ça. Très bien, j'ai plus Fudomyo, ouais, effectivement. Ça, ce sont les boss. Donc, comment ça, il manque un boss? Il manque le boss numéro 2? J'ai pas loupé de boss pourtant! Bon, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'il y a bien que 12 boss normalement dans le jeu, hein. Ok, ça, ce sont les yokai. D'ailleurs, ouais, donc ces deux-là, il y a même les yokai pas jouables, comme je vous avais dit, ces deux-là, ils sont ici. C'est dommage que lui, il soit pas jouable. Il est stylé. Et lui aussi, il est super classe. C'est quoi ça? Ah, c'est les yokai que j'ai pas attrapé. Lui, qu'est-ce qu'il est moche! Mais qu'est-ce qu'il est moche! Oh là là, il me fait peur. Et ça, ce sont les PNJ. Mais les PNJ importants, quoi. Genre, donc il n'y a pas que les persos jouables, mais il n'y a pas tout le monde non plus. Oh, Cathy dans le futur. Bref, les amis, dans tous les cas, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus. Et on continue notre aventure dans le monde de Chine. Dans le monde de Grand Val du passé. Enfin, qui est techniquement le même monde que... D'accord, ok, que nous. Mais dans le passé. Alors, attendez. C'est super beau, je trouve, moi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, de ce monde. Mais je trouve ça vraiment super beau. Enfin, c'est super beau parce que, bah déjà parce que c'est beau, voilà, déjà de base, mais en plus de ça parce que ça change énormément des graphismes qu'on a l'habitude de voir, quoi, c'est ouf. Je me suis spoilé des trucs par rapport au film Yo-Kai Watch Forever Friend, par rapport à lui surtout, là, le mec qui parle. Mais je vous en dis pas plus parce que je sais pas si ça va être dans le jeu ou pas. Donc, peut-être que vous le savez déjà, peut-être que vous avez déjà vu le film, peut-être que vous êtes déjà spoilé, mais je vous le dis pas, parce que c'est peut-être un spoiler, peut-être que... En fait, j'arrive pas à comprendre si le jeu se passe avant Forever Friends, durant Forever Friends, après Forever Friends, ou genre dans une réalité alternative à Forever Friends. C'est compliqué. C'est compliqué de savoir tout ça, donc je sais pas trop. Mais j'ai hâte de le voir le film, justement, pour voir plus ça en détail. Donc là, il parlait probablement d'un gros méchant. J'imagine que c'est un gros méchant qui est dans le coin. Peut-être le boss du chapitre, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça va être les quêtes qu'on a à faire aujourd'hui? Voyons voir. Eh, mais j'ai plus beaucoup de vie d'ailleurs, faut que j'aille parler aux bleus yeux. Waouh, 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 waouh! Ah, il y a beaucoup de quêtes! Ah, mais il y a beaucoup de quêtes facultatives. Eh, attendez, on va faire. C'est quoi ce délire? La première quête, c'est la 14, après la 15 et après la 16. Mais la 14, c'est celle qui a le niveau le plus élevé. C'est pas un peu illogique? Bon, c'est pas grave, il y a Nekomata sur l'image, donc on va la faire. C'est celle que j'ai envie de faire le plus vite. Par contre, oui, il faut que je trouve bleus yeux. Normalement, il y en a des bleus yeux. Il y en avait à l'école et je suis pas allé. Ah bah c'est elle. Bonjour. Qui êtes-vous? La maman de Chine. Ça doit être l'une des mamans des trois persos qu'on a vus, mais je sais pas duquel. Je sais pas du tout. Et je vois pas le rapport avec Nekomata, mais bon. Ok. Ah ah ah. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, j'ai appuyé sur le bouton L, ça a fait un truc, mais je sais pas trop quoi. Je sais pas ce qu'elle m'a demandé par contre. Je sais pas si je dois aller acheter un truc ou je. Ah, Chine? Il est avec qui là? Ah non, c'est pas Chine! Je sais pas qui c'est. Bah, c'est peut-être justement le fils de la dame qu'on venait de voir, non? Ah, il y a un yokai dans le coin, je pense. Juste ici. Ah ouais, mais non, mais c'est génial! Il y a un yokai, mais j'ai pas de vie! Ah bah c'est Nekomata! Mais il est pas méchant, Nekomata! Regardez comme il est trop mignon! Dégage de là, Whisper, on le voit pas, là! Mais allez! Voilà, très bien, très bien. Regardez comme il est mimi! C'est un autre Jibayan. En fait, c'est... Comment vous expliquez ça simplement? Koma-san et Komajiro, ce sont des yokai qui sont de la même race, entre guillemets, de yokai. Et c'est une race qu'on appelle les Koma-inu. Donc les Koma-inu, il y a Koma-san, Komajiro, Komama, Komashura, il y en a plein, 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 plein.
Jibanyan, il fait partie d'une race de yokai qui s'appelle pas les Jibanyan, qui s'appelle pas non plus les Nyan. Donc tout ce qui est Jibanyan, Shogunyan, Originyan, etc., etc. Et cette catégorie de yokai, ça s'appelle les Nekomata, en japonais, hein, genre dans la mythologie japonaise, en vrai. Comme par exemple Fokapa, Kappa-Kap, Kappa-Dissi, etc. Ce sont des Kappa. Et donc Jibanyan, bah, il fait partie de la catégorie des Nekomata. Et lui... C'est donc de la il est de la même race que Jibanyan, mais genre c'est pas son frère, c'est pas son cousin, bon, c'est peut-être son arrière-grand-père, j'en sais rien, ça je sais même pas s'ils le disent. Ils ont peut-être bon, ils ont pas l'air d'être de la même famille, mais bon. Mais en tout cas voilà, ils sont de la même race de yokai ou espèce, je sais pas comment on pourrait dire, de la même catégorie de yokai. Et lui aussi c'est un Nekomata qui s'appelle d'ailleurs tout bêtement Nekomata quoi. Genre ils ont pas cherché très loin pour son nom quoi. Genre c'est comme si Komasan il l'avait appelé Koma Inu, ou comme si bah Kappa Kap il l'avait appelé Kappa quoi. Ou comme s'ils avaient appelé un yokai qui est un Tengu Tengu. Ah bah tiens ils l'ont fait. Sauf qu'en japonais je sais pas s'il s'appelle Tengu le Tengu. Regardez comme il est mimi. Donc normalement Nekomata c'est le yokai et l'ami d'ailleurs de Shin. Oula oula oula, faut pas s'énerver comme ça, moi j'ai rien fait. Je suis gentil moi. Oh, je croyais qu'il était gentil. Bah il s'attaque à moi quand même. Regardez comme il est mignon. C'est mon Nian préféré. C'est peut-être pas mon yokai préféré. Je crois que je préfère toujours Komasan. Mais en tout cas c'est mon Nian préféré. Ça c'est clair. Oh d'accord, si je tape à côté ça ne marche pas. Attendez. Pourquoi? Mais pourquoi je peux pas le cibler? Ah si je peux. Non je peux pas. Le ciblage marche pas aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Ouais c'est pas grave, allez, on va se transformer en le phénix. Vas-y, vas-y, là il va pas survivre longtemps je pense le pauvre. Ulti, ulti, ulti. Vas-y. Ah, j'ai pas fait parfait mais c'est pas mal quand... Non, j'ai tiré à côté, non je l'ai eu. Je l'ai eu, non je crois pas. Je crois même pas, bon c'est pas grave. Ça devrait lui faire quand même pas mal mal. Allez, allez, allez. Ça utilise pas de mana de taper quand on est transformé. Là c'est stylé ça. C'est cool justement que quand tu utilises la multime, ça utilise plus de mana. Bon, parfait, bah un nouveau yokai qui va aller dans mon équipe. D'ailleurs, probablement à la place de Jitan. Hein. Il y a de grandes chances. Enfin, je sais pas quel rang il est, mais en tout cas, Nekomata dans Yokai Watch Puni Puni, il est rang A, je crois. Et il a une version Shadow Side. Je sais pas s'il l'aura dans le jeu, la version Shadow Side. Bah, il aura la version Shadow Side, c'est sûr. Parce que sur la médaille... qu'il y a dans la boîte du jeu, il y a d'un côté Nekomata et Jibanyan du futur et Jibanyan du présent, et de l'autre côté, il y a... je sais pas trop... Enfin, il y a... 3 Jibanyan noirs. Je sais pas trop... Pourquoi il y a 3 Jibanyan noirs? Pourquoi ils sont noirs? Je crois qu'ils devraient pas être noirs, genre c'est juste un effet de style. Mais il y a Jibanyan du passé, enfin du présent, la version Shadow Side de Jibanyan du futur, et... la version Shadow Side de Nekomata. Enfin, je sais pas si ça s'appelle vraiment une version Shadow Side, parce que, normalement, dans le passé, à cette époque, les versions Shadow Side n'existaient pas encore. Donc, je sais pas. Oh, ils s'entendent bien! Bah oui! C'est pas étonnant, ça. Vas-y, donne ta médaille! Allez, allez! Allez, à bout de la médaille! Né? Je suis trop content que ce soit mon ami. Il est trop bien, Siokai! Quoi? Quoi? Non, quoi? Et sa médaille? Ah non, il est revenu. Ok. Bon, très bien. Nekomata! La médaille d'ailleurs qu'il y avait, la dorée, je l'ai, en vrai. Elle était donnée pour le film, là, Yokawatch, je crois. Et c'est Hugo Masen qui me l'a donnée. Merci encore. Nekomata. Ça s'écrit comme ça se prononce. Hein. Sans double lettre, ni rien du tout. Nekomata. Neko, ça veut dire chat. En japonais, voilà, tout bêtement. Et Mata, je sais pas exactement ce que ça veut dire, ni dans ce sens, ni globalement, mais voilà, Nekomata, ça veut dire chat quelque chose. Peut-être esprit chat, fantôme chat, je sais pas, ça doit être un truc du genre, quoi. Yes, parfait. Bon, alors, on le met dans notre équipe maintenant, hein, bien sûr. C'est tout ce que je voulais, c'est le yokai que je voulais, genre, j'ai presque acheté le jeu que pour lui. Non, je rigole quand même, j'exagère, mais... Ok, alors, Nekomata... Ah, il est que en C? Ah ouais. On va dire c'est pas si mal que ça, mais... bon, je m'attendais à... Ok. Alors, par contre, je vais remplacer l'autre Jibanyan, comme ça.
Qu'est-ce qu'ils ont comme objet d'équipement? Ce serait bien que je donne à Nekomata l'un des objets. Mais ouais, l'autre objet d'équipement là. Il y avait un objet d'équipement de Nekomata que j'avais donné à quelqu'un. Je sais même pas à qui d'ailleurs. Cela, je l'ai donné à qui? Je l'ai donné à qui cet objet? Ah, à Jitan. Mais il est plus dans mon équipe, donc ok, on retire. Ok, c'est bon. Et je vais le donner à Nekomata. Qu'est-ce qu'il fait d'ailleurs déjà? 36 de force et 18 d'esprit. Et je ne sais pas quoi en rapport avec les HP. Attendez. Si par exemple je le retire, qu'est-ce que ça change pour les HP? Rien du tout. Rien du tout. Je sais pas, c'est genre il gagne des HP tout seul, il gagne des HP quand il attaque, je sais pas. Je sais pas trop. Bref, c'est quoi ça? Non, ça c'est nul. Bon, très bien. Moi j'aime bien mon équipe comme ça. Hein. Comment dire? Quête suivante. Je cherchais mes mots. Qu'est-ce que c'est maintenant? Bah, pourquoi ça a pris Akinori? D'ailleurs, Akinori, il a pas de vélo. Bon, c'est pas grave, Akinori, il peut courir. Mais pourquoi d'ailleurs ça m'a mis Akinori? Je sais pas pourquoi. Genre, j'étais avec Thomas, juste avant, j'ai changé de perso. Ah, c'était quand j'étais dans le menu de... Dans le menu pour changer le cahier et tout ça, j'ai dû changer de perso comme ça par inadvertance. Non, c'est pas grave. Enfin, c'est pas si grave que ça que je joue avec Akinori. Il est pas si mal. C'est juste que j'aimerais bien jouer avec Shin, mais Shin pour l'instant, on l'a pas eu. Il est pas jouable. Donc c'est qui ça? C'est la grand-mère de Shin? Je ne sais pas. Oui, bien sûr que je fais ta quête. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de le faire pour avancer. Ayakashiga. Ok. Pff, je sais pas. C'est peut-être un perso. Oui, vas-y, indique-moi. Quoi, je dois aller où là? Ah, si, ok, je le vois sur la map. Des fois, j'ai du mal à voir le point d'exclamation. Pourtant, je sais pas pourquoi, elle est pas si dure que ça à trouver. Okay. Il y a des quêtes un peu partout aussi, c'est cool. Il n'y a pas que les quêtes clés, genre il y a plein de quêtes optionnelles. Et c'est sympa parce que jusqu'à maintenant dans le jeu, enfin c'est normal, hein, dans tous les Yuka Watch, normalement il y a des quêtes optionnelles. Mais dans ce jeu Yuka Watch, je sais pas pourquoi, genre des quêtes optionnelles, on en a vu très très peu. Enfin en tout cas dans les premiers chapitres, et je me disais, oula, ça va être un peu vide, non? Et là non, c'est bon, il y en a pas mal, donc c'est cool. Non, c'est pas elle qu'il faut parler, c'est à lui. J'aime bien quand même ce style vestimentaire de l'époque. Enfin, je trouve quand même que c'est... Enfin, un peu trop similaire, genre tous les persos sont habillés pareil. C'est pas extraordinaire, mais j'aime bien se cacher en tout cas. J'aime. Enfin, disons que c'est pas une époque où j'aurais voulu vivre, mais en tout cas, je suis content là d'explorer cette époque dans le jeu. Et ben ça, c'est un kappa, voilà, qui s'appelle d'ailleurs kappa. Il s'appelle littéralement kappa. Genre, dans le passé, dans Grandval du passé, ils se sont pas embêtés pour les noms des yokai. Genre, les Nekomata s'appellent Nekomata, les Kappa s'appellent Kappa. Genre, on va rencontrer un Komasan, il s'appellera pas Komasan, il s'appellera Komainu, c'est ça? Genre, me dites pas que c'est ça. Si, c'est possible. C'est possible. On verra bien. Alors, comment allez-vous, monsieur Kappa? Kappa, voilà. Quoi, c'est son yokai à lui? Il a l'air un peu nul ton yokai, je suis désolé hein. Il va encore nous combattre, je suis sûr. Genre tous les yokai nous agressent. Et d'ailleurs Shin, il a pas encore de Yuka Watch. Je suis en train de regarder ses poignets et je vois pas de Yuka Watch au poignet. D'ailleurs, est-ce qu'il en a une de Yuka Watch? J'ai pas vu le film donc je sais pas. Attendez, ça va parler de Yuka Watch là. Oui, ça parle de Yuka Watch. Parce que comment il fait pour voir les yokai si s'il a pas de Yokai Watch? Mais c'est vrai, je me suis pas trop posé la question, mais ça de toute façon c'est une réponse je pense qu'on aura dans le film. De toute façon, dès que le film sort, moi je vais le regarder. Hein. Je vous partagerai pas le lien pour regarder le film parce que c'est pas légal, mais vous pourrez le trouver. Vous pourrez le trouver normalement si vous cherchez un petit peu. Enfin moi j'ai acheté le DVD aussi mais je vais me trouver une version sous-titrée français parce que bah sinon voilà. Quoi? Faut que j'achète un truc? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, d'accord. Oula, il est bizarre le monsieur. Eh mais il y a un style graphique qui ressemble. Genre le mec il a un visage, ça me rappelle genre le style graphique de l'animé Comte de Monte Cristo, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, genre il a une tête similaire. Ah non, pas comme ça. Non, c'était juste sous un certain angle. Bref, ça fait quoi quand tu envoûtes les humains là, toi? On sait pas trop. Oh, bon, pff, très bien. Il est rare en plus, lui. Parfait. Je suis ami avec un kappa. Alors, je vais l'appeler kappa. Même si je le mettrai probablement pas dans mon équipe. Mais bon, voilà. Comme ça, au moins, on s'y retrouvera. Kappa.
Ce sera plus facile à dire que à lire que les kanji, hein, parce que ça, c'est quand même chaud. Hein. Très bien. On fait pas grand chose là dans ces quêtes, on va parler à quelqu'un, puis voilà, il y a notre ami, très bien. Bon, moi on gagne de l'XP en faisant rien, donc ça me va, moi ça me va tout à fait. Je voudrais bien que tout le jeu soit comme ça. Ah non, absolument pas, hein. C'est pour rire, hein, bien sûr. Genre si tout le jeu Yukawash c'était aller parler à des gens pour gagner de l'XP et avancer dans le jeu, non ce serait pas ouf. Bon c'est pas grave si c'est le cas de temps en temps, hein, mais bon. Ok, oui, là on va gagner beaucoup de fruits. Alors, comment ça se dit du raisin en japonais? Pudo, ça se dit pudo. Pudo, je crois pudo. Oh, ok, bref. Comment se dit banane en japonais? Vous n'allez pas le croire, ça se dit banana. C'est littéralement ce qui est marqué. Je crois qu'il y a d'autres mots pour les dire. En fait, en japonais, pour la plupart de ces trucs exotiques, quoi, parce que les bananes, je crois que c'est pas japonais à la base, et ben genre, ils ont des mots japonais qu'ils utilisent parfois, genre, des mots un peu scientifiques et des mots, genre, un peu plus... genre, je sais pas, un peu plus commun, quoi, comme banana. Mais je pense que banana, il y a moyen de dire banane en genre vrai japonais, peut-être même avec un kanji, j'en sais rien du tout. Comment on dit pomme? Ringo. Ça, je sais. Ça, je connais Ringo. Ok. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais dans Yokai Watch... Ah, j'avais retiré la navigation. Dans Yokai Watch World, sur mobile, il y a des nouveaux Jibanyan fruits. Et je crois pas qu'il y ait un Bananian. Je crois pas, hein, ce serait drôle, surtout Bananian. Bananian, ce serait trop stylé. Ah, genre, juste le nom me donne envie qu'il y en ait un, mais je crois qu'il n'existe pas. Par contre, oui, bon, il y a Vininian. Hein, Vininian, le raisin, il existe depuis Belle Lurette, hein, depuis Yuka Watch 2, je crois. Mais il y a Lingonian, il y a un Jibanyan pomme. Il existe que dans Yuka Watch World, ou peut-être dans celui-là aussi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il n'existe pas dans Yuka Watch 2, pas dans Yuka Watch 1, même pas dans Yuka Watch Puni Puni, je crois, ou en tout cas pas encore. Qu'est-ce que... Eh, mais on était venu là tout à l'heure, et justement il y a un ping rouge sur la map qui est bizarre, je sais pas pourquoi il est là. C'est peut-être moi qui l'ai posé à un moment par erreur. Genre ça... Il parle des yokai lui aussi? Pourquoi? What? Qu'est-ce qui lui arrive? Mais en fait c'est le vendeur de fruits là, attendez. Il y a eu un point d'exclamation qui s'est affiché, non? Pendant une microseconde, j'ai vu un point d'exclamation qui s'est affiché. Je sais pas, des fois j'ai l'impression de voir des points d'exclamation qui s'affichent et... Non, bah je sais pas, ils disparaissent. C'est pas grave. Alors, allons voir là-bas. Et après, on va pouvoir continuer l'aventure. Parce que là, genre, c'était les quêtes clés, mais... Il y a énormément de quêtes clés à faire dans ce jeu, mais... Ça va, les quêtes clés, elles sont pas si mauvaises que ça dans ce jeu, parce que genre, elles ont l'air de toujours avoir un rapport avec l'aventure. Contrairement à dans Yuka Watch 2, et Yuka Watch 3 surtout, où t'as l'impression qu'il y a des quêtes clés, genre, ils les ont mises juste parce que genre, ils avaient envie de faire du remplissage, quoi. Ils avaient envie de se dire, attendez, attendez, on avance trop vite dans l'histoire, on va aller faire un détour, genre, je ne sais où, à Petaouchnok. Mais là, genre, j'ai l'impression quand même que... Les quêtes clés, elles permettent de débloquer des yokai et des fonctions qui sont... Enfin, qui sont vraiment importantes dans la suite de l'aventure. Par contre, cette map de Grand Val du passé, je suis un peu déçu parce que j'ai l'impression qu'elle se limite à ça. Genre, il n'y a aucun trait. Normalement, quand il y a moyen de changer de map, genre, t'as souvent un trait. Et le trait, il est rouge avec marqué un petit panneau interdit pour te dire, tu peux pas y aller pour l'instant, mais tu pourras plus tard. Quand il n'y a rien du tout... C'est mauvais signe. Ça veut probablement dire que genre, bah c'est tout ce qu'il y a. Grand Val du passé, c'est que ça. Ce qui est un peu dommage. Bref, ok. Voyons voir. C'est quoi ça? C'est pas un yokai, ça, si? Oula, lui, il était difficile à analyser. What? Sashi... Sawalashi... Sashi Sawalashi, c'est ça? Ok, très bien. Attendez, déjà je ramasse ça. Il y a un objet juste à côté, je vais pas le laisser passer. C'est effectivement un yokai, mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Attendez, je vais parler à cette personne. Non, il y a rien. Ah, je dois revenir là-bas, pourquoi? Je sais pas. J'ai changé de perso parce que, Akinoli, ça me dérange pas trop, mais ce qu'il y a, c'est que... Bah, j'aimerais bien avoir un vélo quand même, parce qu'on est un petit peu lent, non? Ouais, faut revenir voir le monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Ok. Non mais attendez, mais on va voir le monsieur, ensuite on va voir la fille, ensuite on revient voir le monsieur. Qu'est-ce qui se passe là, faut revoir la fille? Je sais pas, qu'est-ce qui leur arrive? Ah non, on va pas au même endroit là.
faut que j'achète. Mais ils parlent tous de yokai, les gens. Je vois les caractères yokai marqués partout. Genre là, il y a marqué yokai. Yokai Taiji. Ça veut dire quoi, Taiji? J'en sais rien. Ah, du ginseng. D'accord. C'est ça, c'est du ginseng, non? Kolai Kinjin. Je crois que c'est du ginseng. Ginseng, c'est pour faire des infusions et tout ça. Genre, c'est un peu de la vieille médecine asiatique. C'est un peu comme le thé, genre. C'est-à-dire que. C'est peut-être pas mauvais, j'en sais rien, du ginseng, j'en ai jamais pris, mais on fait des infusions au ginseng. Et je crois que c'est un peu comme le thé dans le sens où, genre. Il y a des vieilles légendes depuis des siècles, peut-être même des millénaires, qui disent que, genre, c'est bon pour la santé. Jusqu'à maintenant, la grosse majorité des études scientifiques qui ont été faites sur ce genre de produits disent que. Dans tous les cas, c'est pas mauvais pour la santé, mais ça n'a pas l'air d'avoir le moindre effet bénéfique, c'est juste de l'eau, quoi. Mais voilà, je crois que c'est ça, en vrai. Je crois que c'est ça, le ginseng. Après, je vais peut-être dire une bêtise, enfin, je crois que c'est vraiment ça. En tout cas, pour le thé, je sais que c'est ça. Pour le ginseng, je crois que c'est un peu le même style. Après, je sais qu'il y a des gens qui vont venir me dire « Non, parce que moi, j'ai lu sur Internet, ou moi, genre, il y a mon maître à l'école, ou moi, il y a ma maman qui m'a dit que le thé, ça a des vertus bénéfiques. » Il me semble que c'est pas vrai. Il me semble qu'il y a plein de gens qui le croient depuis très 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 longtemps, et moi, j'adore le thé, hein. Beaucoup plus que le café, hein. J'en bois du thé, j'adore ça. Mais effectivement, il me semble que le thé, le ginseng, tous ces trucs-là, dans tous les cas, c'est pas mauvais pour la santé, donc vous pouvez en boire, ça vous fera rien, ça peut rien faire de mal, mais dans tous les cas, je crois que ça ne fait rien de bien. C'est juste que, voilà, c'est de l'eau avec de l'herbe dedans. Enfin, j'exagère en disant de l'herbe, mais il me semble que effectivement, en tout cas, jusqu'à maintenant, il n'y a rien de prouvé comme quoi c'est vraiment si bon que ça, quoi. C'est peut-être un petit peu... En tout cas, c'est mieux de boire du thé non sucré, bien sûr, que de boire du coca, hein, bien sûr, on est d'accord. C'est aussi probablement meilleur de boire du thé dans de l'eau qui a bouilli que de boire genre de l'eau qui est un peu... genre de l'eau qui a été... qui a jamais été bouillie et qui peut risquer d'avoir eu des bactéries, des infections dedans, etc. Mais en gros, non, sinon, je suis pas sûr que le thé, ça fasse quoi que ce soit de bien. Bref, what? Ok. Sa-chi-sa-wa-la-chi. Il y a trop de caractères! Et c'était quoi cette voix? On aurait dit un mec. Sa-chi-sa-wa-la-chi, ça fait... Attendez, il y a 7 hiragana. Non, il y en a 6. 6 hiragana. Vous savez que ça va prendre 12 caractères d'écrire son nom. Bah écoutez, non. Non, je vais pas te renommer. Enfin, je veux bien que tu deviennes mon ami, bien entendu, mais je ne te renomme pas, désolé. Y a pas assez de place. Sashi Sawarashi. qu'est-ce que passe-t-il? D'ailleurs, eux deux aussi, ils voient les yokai. C'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Ok, quête terminée. Très bien. Yes, Nathan est niveau 11. Rah, j'ai tellement hâte de pouvoir débloquer Komachura. Parce que surtout que, genre, je vois des gens sur Twitter et tout, ils postent des screenshots du jeu dans lesquels ils ont réussi à avoir, genre, des rangs S au Bingoka. Il y en a qui ont eu Orcanos, il y en a qui ont eu Deadcool, il y en a qui ont eu Blizzaria. Moi, j'ai rien eu au Bingoka. J'ai eu aucun yokai. J'en ai eu zéro. Oui, j'ai eu une orbe, je crois, et des objets, mais j'ai eu aucun bon yokai. Enfin, j'ai eu aucun yokai tout court au Bingokai. Donc, je suis un peu dégoûté. Genre, Komachura ou Damona, ce serait un bon yokai pour mon équipe. Je pense que je mettrai pas les deux. Je mettrai probablement pas Damona et Komachura dans mon équipe parce que j'ai pas envie que le jeu devienne grave trop facile d'un coup. Mais je pense qu'à choisir, je mettrai peut-être d'ailleurs Komachura. Pourquoi pas. Mais ça dépend. Komachura, faudrait déjà que j'arrive à le battre. Je tenterai pas avant d'être niveau 20. À la limite niveau 18, je peux essayer en étant niveau 18, mais pas avant. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que... Ah! Quand je l'ai vu se retourner, je me suis dit, ça sent mauvais là, il va pas péter quand même. Et j'ai pas voulu le dire à haute voix parce que je me suis dit, s'il le fait pas, les gens vont se dire, mais Kirvendo, t'as l'esprit mal placé. Et bah si, il a vraiment pété, c'est quoi cette histoire? Mais c'est dégoûtant. Et c'est surtout complètement puéril. Ok, et en plus, son P était énorme. Genre, ça devait fouetter. Hein. Quoi ça sert d'appuyer sur le bouton L comme ça, là? Ça fait rien. Ok, ça me dit d'appuyer sur le bouton L, mais ça n'a absolument rien fait du tout. On va où maintenant? On retourne à l'école? Oula, oula. Quand ça me redemande d'aller dans des endroits comme ça, à chaque fois, je me dis... un petit boss qui va popper, là, d'un coup. On ne sait jamais. Il y a moyen. Ah non, on va rentrer dans ce bâtiment.
Je suis pas allé me soigner, oh, je passe devant des bleus yeux et je laisse tomber, c'est ouf. Oh. Oula! Oula! Ce n'est pas ce que j'appelle quelque chose de rassurant. C'est pas un lieu très rassurant. Vous êtes sûr de vouloir rester là-dedans? C'est quoi ces trucs-là? C'est rien? C'est des traces de pas, oui, mais des traces de pas de quoi? D'un boss? Je sais pas, c'est bizarre. Oh non, 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 toi t'es trop moche. Quand je viens combattre l'autre là, le. Lui, on dirait vraiment, regardez. Bon, je sais qu'il m'attaque, mais. On dirait un espèce de bébé pot-au-feu. Enfin, on dirait juste sa tête. C'est le même truc que pot-au-feu, mais littéralement. Sa tête, c'est le même truc que pot-au-feu. Et d'ailleurs, regardez. Toutoui et Kappa-Kapp, c'est la première fois qu'on les voit dans ce jeu, je crois. Stylé! Bon, allez. On va faire un petit peu d'XP. Nathan, c'est quoi déjà son âme ultime? Je vais pas utiliser maintenant, j'attendrai d'être au boss. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas quand Masan il était parti à l'autre bout? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est à l'autre bout de la map! Je sais pas, il était parti à l'autre bout pour, je ne sais pas, danser, je ne comprends pas très bien. Et attendez, la prochaine fois que je vais en combat, je vais prendre Nekomata. Mais il doit y avoir des objets un peu partout là. Attendez, là il y a des endroits où on peut rentrer. Oui? Quoi, c'est fermé? Voilà, peut-être une clé que je n'ai pas pour l'instant. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Oh, il y a un coffre derrière, j'ai bien fait de revenir ici. Pièce de bingo-kai, pièce de bingo-kai! Ah, poupée de fuite! Pour l'instant, je me suis jamais servi des poupées de fuite. En même temps, vu qu'on gagne pas beaucoup d'XP sur le jeu, genre. Je préfère faire les combats que les esquiver quand même. Oh, Sumochi. Bonjour, mais non. Je pense qu'on va bientôt arrêter cet épisode, et quand j'aurai arrêté cet épisode, je vais aller faire quelques combats avant d'enregistrer la suite. Histoire de gagner un peu d'XP. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Ouais, je sais pas si c'est si bien que ça. Pour l'instant, je peux pas rentrer dans toutes ces portes, hein. Je crois que je dois d'abord faire un truc dans le manoir et après je pourrais probablement rentrer dans certaines de ces portes. Pas toutes, il y en a plein qui ont l'air de genre de nous mener nulle part. Non, toi, on vient de te combattre, on va pas le recombattre. Non, 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 non. Bon, il court pas plus vite que nous. C'est ridicule. Bon, allez, je vais faire juste ce Sumochi. Comme ça, je vais jouer un peu avec Nekomata. On va voir quelles sont ses attaques et tout. Puis après, on va se laisser pour cet épisode. Allez, allez, allez. Nekomata! Nekomata. Oui! Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son ulti? Alors, son ulti, ça le fait pas se transformer en forme Shadow Side. Non, laisse-moi, laisse-moi. Qu'est-ce qu'il fait là? Wow! C'est tellement plus ouf que la fureur du chaton! C'est dingue! Vous avez vu ce qu'il vient de faire? Nekomata, lui, c'est pas n'importe qui, hein. Il fait la même danse que Jibanyan. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Nathan? Me dites pas qu'il vient d'utiliser son âme ultime. J'en ai bien l'impression. Bon, bref, c'est pas grave. Enfin, si, c'est un peu grave. Surtout qu'on va probablement bientôt voir un boss, mais bon, tant pis, on n'y peut rien. Bref, les amis, nous on va en rester là pour cette vidéo de Yokai Watch 4. J'espère que ça vous plaît toujours. N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus, de commenter, de vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Donc d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, les amis. Salut!